Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planète Commander. Commander, pardon. Non, Commander, c'est en anglais. Donc, pour résumer, ce jeu est un jeu de vaisseau de guerre. Alors, il y a en équipe et il y a solo. Donc, vos amis sont représentés par des flèches vertes. Et vos ennemis par des flèches orange. Et donc vous l'avez bien sûr deviné, le but est de défoncer tous les ennemis. Donc bien sûr vous avez différents vaisseaux. Donc il y a le loup astral que j'ai niveau 4. Le marteau que je viens de débloquer il y a 10 minutes. Donc on va commencer le combat. Donc vous voyez, il y a des pièces d'or et des globules rouges pour moi. Donc les globules rouges peuvent vous aider à avoir des vaisseaux qui coûtent en globules rouges ou ajouter une autre place pour avoir un troisième vaisseau par exemple. Vu qu'au début vous avez deux places avec deux vaisseaux. Vous avez un loup astral et l'autre je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc il y a trois maps que j'ai découvert. Donc il y a la station spatiale, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une sorte de station spatiale avec de l'énergie, cette fois qu'on voit. Et il y a une ville avec de l'eau. Donc au tout début, il vous explique comment diriger le vaisseau. Et il vous entraîne à attirer un ennemi et bouger. Donc les commandes sont assez simples et les graphismes sont incroyables. Donc on va défoncer Micro-Unit 1990. C'est rien, c'est des mouches que j'essaye d'écraser. Vous pouvez choisir un repère, donc c'est là où vous débutez. Donc moi je vais commencer là. Donc là on va se descendre. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous cacher. Moi j'ai trouvé des super cachettes. Mais là, j'ai pas le temps puisqu'il y a un ennemi qui attaque mon ennemi, ça se fait pas. Donc j'ai réussi. Oh putain, faut que mon ennemi soit mort à ce moment-là. Allez! On fonce sur le premier. Ta 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 ta. Donc le jeu est assez bien. Et voilà, c'était la dernière normalement. Donc après, vous pouvez revenir au hangar. Donc les vaisseaux coûtent de l'or ou des globules rouges. On va appeler ça des rubis maintenant parce que le globule rouge ça fait bizarre pour acheter des vaisseaux. Vraiment qu'ils sont hyper rares mais bon voilà. Donc le chargement quelquefois bug. Mais il faut pas quitter, c'est normal. Donc vous voyez tout ce que vous avez gagné. Donc voilà, je vais vous montrer les vaisseaux. Donc par exemple celui-là il coûte 250 en rubis. Donc tous les vaisseaux violets, donc comme l'Olympus, Worm et autres, ça coûte de la vraie or dont je n'achèterai jamais. Donc dans les prochains je vais m'acheter
vaisseau pas mal. De plus en plus bien les vaisseaux. Monarque. Ah ouais. Donc c'est tout pour cette vidéo et je suis niveau 11. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Bomber Fuen. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer. Allez, bye!